après une semaine voilà, de tournoi, Mayotte ramène deux médailles en handball. Donc quel est le bilan de ce tournoi pour la discipline pour vous? Pour le handball, c'est un bilan très positif. Je pense qu'on avait l'occasion aujourd'hui de remporter la médaille d'or, les garçons et les filles. Et les filles de la Réunion ont montré qu'elles sont largement au-dessus. Et aujourd'hui, les garçons, par contre, ont saisi l'occasion de remporter une médaille d'or. Deuxième médaille d'or des garçons, je précise, au jeu de la CGSEI. Donc oui, c'est vraiment, on est super content pour le handball mauvais. Alors là, on a vu qu'il y avait peut-être des choses à améliorer. Alors qu'est-ce que serait pour vous en fait pour que... on sait notamment que les garçons réunionnais n'étaient pas là, on sait que les réunionnais sont au-dessus. Donc qu'est-ce qui manque pour pouvoir combler l'écart? Non, il faut surtout pas mettre de l'amertume dans cette victoire-là, il faut la savourer. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas là, moi je n'ai pas envie de parler d'eux, c'est leur problème. Ce qui est important, c'est que les Maoris remportent cette médaille d'or aujourd'hui à ces jeux-là et qu'on parte chez nous heureux. C'est ça qui est important, je ne parle pas des gens qui sont absents.